Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Encore une journée, une autre émission où nous allons parler de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-là, je devrais en principe faire de cette émission comme une réaction. Mais ces derniers temps, nous sommes pratiquement dans l'impossibilité de vous amener réaction. Tellement qu'il y a beaucoup de questions, j'ai décidé finalement de faire cette émission et de donner mon point de vue sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et aussi à Kinshasa où on a découvert un cache d'armes à la résidence de ce monsieur qui est Numbi, le général Numbi. On a découvert un arsenal de matériaux militaires, donc des armes de guerre. Alors, on devrait faire en principe une réaction, mais vous allez nous excuser parce que réaction pour l'instant est un peu en attente là-bas. On le fera dès que tous les moyens et toutes les possibilités seront en place. Et je voulais aussi vous annoncer que nous allons peut-être connaître une petite interruption pendant 2 ou 3 jours où nous allons prendre un peu congé de vous. Et nous reviendrons, je crois, à partir du 4 ou bien du 5 septembre. Donc, nous allons prendre 2 ou 3 jours, je crois. C'est là parce que nous avons un petit travail que nous allons faire en dehors de nos studios et qui nous oblige d'être un peu en dehors des caméras. Alors, nous allons parler de tout ça. Donc, aujourd'hui, nous parlons de cette... Ces scandales, finalement, il y a des scandales de trop, comme vous aviez lu dans les livres, dans notre titre. Il y a trop de scandales où, finalement, ça sent mauvais. Et Zolumba, Ezal, Soussoumala, Mouté, Toko, Lobelango, Lelo. Donc, nous allons toujours tourner tout autour de l'actualité. Bama Kamboza, Kolekana Est, ba militaire Nenge Baza, Kobangisa, à qui profite tout ce scandale et comment y faire sortir? Qui est-ce qu'on est en train de viser dans tout ce qu'on est en train de faire là? Alors, prenons un peu les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après la lecture de ces grands titres. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par Election.net. Plus de 600 civils tués depuis l'instauration de l'état de siège. Puis à Ituri, des rebelles ADF se réorganisent à Irumu et Kinshasa. Voici les armes découvertes dans leur résidence du général Numbi. On va sur Actualité.cd. Mwenga, RDC, un soldat tué et un autre blessé lors des tirs de colère à Mutenge pour réclamer les soldes. Un mort et 7 blessés dans une fusillade à Goma. On va sur Actualité, le Congo profond, au Congo central, le Parti panafricain pour le progrès demande la destitution du gouverneur Atou Matouana. Jules Alinghetti, opposition ou majorité, l'IGF n'épargnera personne. Ça, c'est une interview à Paris dans Jeune Afrique. On va sur 7 sur 7.
Embouteillage à Kinshasa. Ngobila instruit le général Kasongo d'intensifier les opérations de régularisation du trafic. Et puis nous allons sur deuxième titre vers la création d'une institution financière nationale dédiée au développement. Ça, c'est Nicolas Kazadi. On termine par Radio Okapi. À des débuts des sessions ordinaires de l'examen d'État à Ituri et au Tanganyika. Et puis le gouvernement a appelé à accompagner le processus de pacification à Kindu. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, Bandeko, vous allez remarquer qu'au courant de cette semaine que nous avions commencé, Batubaza, il y a une certaine animosité au sein même. Tu vas de l'Est à l'Ouest de la République démocratique du Congo. Lorsque vous lisez l'actualité, vous allez comprendre que quand vous allez dans l'histoire de la CENI, vous trouvez qu'il y a déjà, on se complique. On est en train de compliquer l'équation au lieu que les choses puissent aller quiétude et kende. Mais biloko nyonso les a kende kaka na mbilinga mbilinga. Ça ne colle pas, on ne trouve pas un président. Il y a qu'une certaine confusion. On entretient les doutes. C'est le Parlement, commission paritaire, tout ça. Ce sont des histoires qui viennent nous embrouiller, nous les Congolais. Finalement, il n'y a pas une issue, il n'y a pas quelque chose. Le pays ne marche pas. Okokendena, côté à état de siège, kuna koutoune li sousou. Vraiment, ma kamounenge, eza kokende, eza soni pour la République démocratique du Congo. Les militaires, comme je vous avais dit hier, baza ko menace ba député, et les députés pointent du doigt les militaires. Sur le terrain, le peuple qui a la vérité en main, baza ko ebi sa président de la République, le président ne veut pas entendre. On ne sait pas finalement, nan inde aza ko dirige ba militaire, ango ba ko bet, ba ko sa la coup d'état. Parce que ce sont ces militaires-là qui encore attisent la haine, la terreur. Bokoyoka que nous avons récupéré village. Village Mokwana, quand tu regardes dans l'histoire, on a déjà récupéré ce village-là plusieurs fois. On se pose la question finalement, Zanini. On fabrique des preuves que nous avons gagné. Qui a gagné, qui a négocié avec les Maïmaï. Tout ça, ce sont les histoires qui nous embrouillent et qui est en train d'embrouiller l'air politique. Donc, ezako distraire biso na makambo ya solo. Babilo kwa na nyonso ezako ya, ça c'est se nous distraire. Mboka na biso koma kaka ya ba scandale. Et ça, quand ça parvient, moi je me dis, en tant que le président de la République, azako mona yango ndenge nini. Est-ce que c'est dans cette allure que tozo poussa na tina 2023? Bokanga baoyo mabe, bokanga batumsusu oba iba kiboye. Et tout ça, c'est un ambroglio. Tok reconquérir majorité parlementaire, tope sa batou ba banani ba moyen de transport. On a volé l'argent. Tout. Donc, biloko nyonso tuwana ezako se basé sur la construction ya notre mboka na biso te. Toza kaka na ma solo moko boye kaka ma solo moko o balobaka ya kamulete nanani o esi la kate. Non, on ne se penche pas sur la construction de notre pays. Tantôt ce sont les députés, tantôt c'est dans l'armée, tantôt c'est ici. Finalement, toza wapi. Où est-ce que nous sommes pour la construction de notre pays? Programme ni nango tozo landela, toza ou toza wapi, tozo koma. Pendant tous ces ambroglio oyo, le temps n'est pas à notre faveur. Et moi, je commence à comprendre que non. Batu Omazo Salabiloko Oyo, ce sont là les ennemis du peuple qui sont en train de dévier le président de la République de cette hargne de construire finalement ce pays. Mboka Oyo Koza la construite na ba solution, ba résolution ya Kolukaka. Oba kanga nanu batu boye, oba tu baiba ki boye, non. Bande kosoko kangi fen, otie fenetre asika nanda kuya kala, fenetre one kosala pe loko mokote. Toza okipe ya kozipaka madusu nanda ku oyo ezafu na fondation te.
tantôt ils ont une toiture, tantôt ils ont ma fenêtre, tantôt ils ont les boules, ils ont na katianda pour tout ça. On ne se penche pas sur la reconstruction de ce pays. Et ça, on a comme l'impression que le président de la République a continué un rythme. Voilà. Tantôt scandale et demi, on avait examen d'État, tantôt. Non, non. Finalement, on se pose la question, Mokani notoza na kati. Sommes-nous dans quel pays, Bandeko? Mboka oyo, ezakaka mboka na biso moko. Et dans tout ça, on se pose la question, mais bon, si quoi? Il y a président de la République Eza Wapi. Toko kendeka kabo est vraiment. Toko kendeka kanaba. Oh, John Numbi. Maintenant, prenons pour quelqu'un. Quand moi je regarde ce qui se passe dans l'actualité. Scandale en moto lobela kiao. To lobele loko wana sikoyo. Bandeko. Est-ce que vraiment quelqu'un, Moutou, à tous en général, à ta mouté ma mabe en haut. Arsenal militaire, wana nyonso, ezala na katia nda kumoko. Et puis, ce n'est pas la première fois que la police ezoya nanda kouana. Eza première fois te. Ce n'est pas la première fois. Vous regardez comment est-ce qu'on est en train de nous prendre, nous les Congolais, comme des imbéciles. À ta boyini batou. Bilo kwana kutu toka koloba ketam suse nga keza la peut-être rende na kinga kati. Mais en plein ville. Oh, te. Bon tala bino moko, scandale o pa ba polisye o ba zui ba to ba zaki na ba bombe, tout ça ba bilo kwa. Ils vont là-bas, ils ne trouvent que une compagnie qui est en train de faire son travail. Mais on distrait. Et je crois que c'est ça l'ennemi du peuple. Et le président de la République doit comprendre cette histoire ici. Il faut comprendre. Bandeko, toko longolaka, toko longolaka na eloko oyote. Oya ko créer dictature sans que mon conseiller moko azoye bangote. Et puis on est en train de lui faire voir que non, ba ennemi bango na ba ennemi. Le Congolais n'a pas besoin d'avoir l'ennemi. Le Congolais a besoin de voir son Congo. Bisonyo son maboko, tokangani maboko, tozo bongisa mboka ango. Bandeko, tout ti kana nou langage wana koloba ke non, o eza ya biso, et tout tourna biso yango. Et ce langage là, Ozoya koyo koyango na président yemoko parce qu'il est entraîné dans l'isolo wana alobela ki yango api na kolwezi o bandoki moko boy. Quand vous le président de la République, vous commencez à appeler vos confrères bato oza ko diriger bandoki bandeko, vous n'avez pas qui chef amo eza ndenge ni présidence. Donc nous disons que peut-être l'entourage ou un président de la République, ils ont embarqué président parce que président de la République a sa personnalité, moko boyete. Tout le monde peut, je crois que tout le monde a compris que au coquille les locaux ya koyebisa mon consité, bah toi na baza boy, et puis il va t'écouter, il va dire bon, on va faire quelque chose, on va akondime la yo. Pourquoi? Parce que na soyili balobaka kama hauna musimamo, mutu yote atakuletea kitu takwa sa unaitika tu. Pourquoi? Parce que celui-là, il va te faire voir que non, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui dois rester là-bas, c'est toi qui dois avoir le deuxième mandat, c'est toi qui dois rester pour le troisième mandat. Na lire oyo, toko kende na ngoti atazu un mandat mususu, likanisia kobongisa mboka oyo ezalite. Ezaka kabatu bakozala, oh, tourna biso ya ngoyo, ils vont commencer à piller pendant ce temps ici. Même Gilles Alingeto Tozako Loba, Ozako Kangamutumoko, et puis Watu 30 Basi. Acquiring new skills used to be very complex, but it has been simplified by four-level solutions through the Academy platform. Academy is a training tool that offers you the opportunity to take the next step towards your personal and professional goals. With Academy, you can turn any room in your house into a classroom. Academy helps you to access the latest training catalog and offerings from IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, CompTIA, VMware, and many more. Access to course materials, best practices and labs, career guide, and staying up to date with certifications. Want to know more about Academy or have training requirements?
please send an email to training@fourlevels.co.za or call 011-848-6229. With Academy, you are definitely owning your present and empowering your future. Ça veut dire quoi? Au Kangi Batumi balé sur 50 personnes qui volent, ça va changer quoi? Quelle est la donne que ça va changer? Et là, comment côté? On va nous dire que non, Mbongo est à Kokota Nanani à l'État. Mais Mbongo est au Salanini. La population ne sent pas et l'eau qu'on a que non. Mbongo cannabis est comme Koya Nambongo. Et comme il y a Mbongo. Bande qu'on a Mboka autant ou Toza Awa Namboka Bamboka Oyo. Yamikilio Toza Awa en Afrique du Sud. Ce qui Mbongo à l'État est côté belé, les gens sentent ça. Boyo kaka keno carburant ekiti, hein, taux d'échange ekiti, batwa komiko boko sentir ango même quand tant boza ko kene na ba marché, tant bozo ke no somba biloko parce que le pays commence à souffler. Mais na pays na biso na mboka na biso, quand est-ce qu'on nous dit que non renflouement bon comme na et comme parce que batuba il y a des gendarmes d'état bandeko. Est-ce que la population peut sentir et non kwana ke non tout le monde est en train de se faire, rien et l'autre de mon côté. Alors, comme toujours, nous disons que tout le monde est en train de se faire, le balou, le balou, le scandale est en train de servir dans l'autre de mon côté. Nous demandons tout simplement à ce que, surtout le président de la République, qu'il puisse un peu se rétracter un peu. Quand vous avez beaucoup de gens tout autour de toi, vous manquez directement la philosophie, vous manquez même objectivité et le raisonnement, il y a quoi implémenter peut-être vision. Parce que vous avez trop de cacophonie. Beaucoup de gens viennent vous dire n'importe quoi, finalement tu n'es plus toi-même. Et nous constatons que le président Félix Tshisekedi ne plus soi-même. Aza azoye batte place ni nango to okende. Maintenant, c'est la foule qui commence à ba komi komona kokosala, vous savez, ba komi kosala nzambe. Et il est tombé dans le même erreur que ba prédécesseur naye. Nous avions eu la chance de voir peut-être Laurent Désiré Kabila Mouzé à Ndenga Yaki. Mais dès qu'il s'est fait entourer avec les Katangais, ça tout a changé les dons. Bah tu vois comme Koloba, non, yonde kosala, yonde kosala, yonde kosala. Et il a été fusillé, il a été tué. Kabila est venu, tout un jeune homme qui était très intelligent, mais qui a observé et a eu profité à sali 18 ans. Pourquoi? Parce que au moment où il s'est entouré avec les djalolistes, Batou, Bazolinga, Bakomiko, Yahi Kao, on a organisé les élections qui n'étaient pas bien préparées. Babylon, Kounyon, Swanatou, nous n'avons pas réfléchi sur la reconstruction de notre pays. Pendant qu'il y avait déjà la paix avec la nouvelle constitution en 2002, on devait maintenant dire que tout réfléchir sur la paix vraiment durable, comment est-ce qu'on peut ancrer notre la démocratie na Katia Batu pour que la base puisse se retrouver. Non, on n'avait pas dit ça. On a commencé à former les hommes et on a créé une autre classe politique. Bomoni ndenge suka kibiso ba tricherie en tricherie et Kabila s'est vu que non, ah, pouvoir ango donc ngana okikopi kosala boy. Tout le monde disait que Kabila tout ça, on a fait le peuple perdre biloko na nyonso koma ki na ndenge wana. La même chose maintenant que Félix tombe dans le même erreur. Félix, on lui fait croire que Bokonzi Oyoza et Bokonzi Abalouba. Et il tombe dans l'erreur du tribalisme. Alors les Balouba, la tribu Louba, qui relaye maintenant ça, peut-être à l'insu du président de la République, bah comme il consacre à Makamboumoko, que le président commence à avoir goût. Et donc la démocratie, même dans son propre parti, ils ont respecté le sous-outé. À la force tout simplement d'un homme qui est à la tête de notre pays en disant non, biloko et kosa le maté. Aujourd'hui, le président de la République peut arrêter cette histoire des élections parce que ça nous amène à rien, à nulle part. Et ça, quoi, mené bison et l'eau comme au côté et comme on s'en moque en abisso à temps et l'eau comme au côté. Ce qui te reconstruit, ce qui te
tozui unité nationale te tsoki peuple à récupérer pouvoir te à kolobake non nous ici nous allons faire ceci, nous allons nous organiser, nous allons faire des programmes à développement ya ba contrée na biso ya ba territoire na biso elo comment que ko sale maté. Mais on est en train de dire au président de la République soki o sale elo ko na e ko pousser ba tuna biloko a régionalisme, biloko a tribalisme, ba tuba koyo kanate, c'est faux. C'est faux. Il faut que le Congolais soit devant sa propre responsabilité. Et là, c'est ça la vérité. Et là, on a dit tout ça qu'on a un contact pro-life que tant que nous n'arriverons pas à arriver à ça, la Likambwana, il y a quoi qui s'est mis que non. Pour arriver à décanter cette situation à Babiloko, à Kalao, Banini, tant que le peuple congolais n'a pas encore pris son destin en main, il y a Koloba que non. Moi, je ne suis pas tout. Le président de la République tombera toujours dans les erreurs de ses prédécesseurs. Il ne peut pas se proclamer que Yendem Toko décide, Yendem Toko Zala, tout autour de lui, tout le pays fonctionnera tout autour de lui. À ce moment-là, il va encore, nous allons encore rentrer peut-être de 50 ans en arrière. Parce que Toko construire le comme côté. Batou o bazana pouvoir bakoya wana kaka pona ko conserver pouvoir. Nous irons toujours batricherie à batricherie. Vous voyez, vous allez voir que nous n'aurons même pas le temps. Ya ko corriger ba makambo ba enseignement tozo mona. Nous n'aurons jamais le temps à ko sala ni quoi que ce soit. Et c'est là où nous allons nous arrêter en vous rappelant encore une fois de plus que bandeko. Abonnez-vous nombreux sur cette chaîne. Si vous avez aimé, laissez un petit message. Laissez les j'aime si vous avez aimé, partagez. Cela nous encourage lorsque nous voyons que nos émissions sont partagées et ça nous donne encore envie de faire mieux. Alors, pour vous rappeler que ce que je vous ai dit au début, nous allons prendre, je crois, 2 ou 3 jours de vacances. Nous sommes appelés à faire autre chose ailleurs ou à... Nous sommes appelés, donc nous serons peut-être en dehors de vos écrans pendant 2 ou 3 jours. Et certainement, nous reviendrons, je crois, vendredi ou samedi, en fin de la semaine. Alors, merci beaucoup encore pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. Merci beaucoup pour surtout les gens qui sont à l'Est et qui nous apportent des informations. Nous avons toute une pile de preuves que... Les phares d'essai sont en train de fabriquer, sont en train de terroriser les gens afin que cet état de siège perdure. Et c'est là où le bas blesse, où on ne comprend plus. Finalement, va tout haut. Bazawana pour la business ou bien Bazawana pour la Koyako, voyez la biseau paix. Ils n'ont jamais réussi à identifier l'ennemi qu'ils sont en train de combattre là-bas. Et tout ça, lorsque Bakonzi à Kinshasa baye, ils ont la canine, oh non, moni, tozo salabo, tozo salabo. Ils ne disent jamais la vérité. Voilà. Encore une fois de plus, merci. Nous allons nous revoir très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.